Et ce genre de choses, ça donne une saveur particulière ensuite au séjour et au voyage. Alors à quoi ça pourrait ressembler? C'est le vrai hôtel où on sera mis d'une charme. L'ambiance, c'est le même. Tout ça, c'est à volonté. Hein. De 6h à 10h. Sans être criminel.
toutes les mosquées que vous voyez, c'est des lieux dans lesquels le prophète a prié. Et à chaque fois, des mosquées liées à l'histoire de la vie du prophète. C'est le TGV justement. L'hôtel à Marca.
pourrais t'aider. C'est la première vue que vous aurez, vous allez arriver dans ce couloir-là, justement. Personne. Là, il y a personne. Ça, c'est période Covid, ouais. C'est Covid, il n'y a personne. Ça, c'est Covid, c'est pour ça qu'ils ont tous les masques. Le TGV. On le prend à l'aller et au retour. Il y a plein de lieux comme ça qui ne sont pas indiqués, mais je vous montrerai qu'est-ce qu'il y a eu dans ces endroits-là.
prêcher, donc bah, quand on prie dedans, ça vaut la récompense d'une armée là. On va y aller plusieurs fois prier là-bas. Si vous voyez, il y a plusieurs grilles, bah, les gens saluent là-bas, vous voyez dans la vidéo, alors que là, il y a assez vide, il n'y a personne. Et nous, on apprendra bien sûr, on vous apprendra à repérer où est la tombe du prophète dans toutes les villes. Ça, c'est la Raouda. Le prophète a dit que c'est le paradis sur terre. Celui qui prie dedans, c'est comme s'il a prié dans le paradis. C'est là où il est enterré, non? À côté de la Raouda, là, à droite de la Raouda. Ça, c'est la Raouda encore. Ouais. C'est là où c'est difficile de rentrer, oui. Apparemment. C'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous. Il faut les prendre à peu près 2 semaines avant. C'est moi, bien sûr, qui voulais prendre. C'est pas mieux, on était planté par le prophète. Et ça, par contre, c'est des mosquées qui sont restées brutes.
après c'est le dur retour à la réalité. Ouais.